L'Arche de Zoé a pris aussi cette ampleur et a pu aller trouver toutes ces familles parce qu'il y avait Internet. Internet, je crois que c'est un outil qui peut être fantastique, mais c'est un outil qui est aussi hyper dangereux. Il y a par exemple ici des personnes qui se font passer pour des intermédiaires agréés. Hein, ils sont une association et ils vont vous faire adopter très rapidement. Au moment où il y a eu l'Arche de Zoé, effectivement, il y a eu par exemple, entre autres en Afrique, des pays qui ont bloqué les adoptions.